à Angers. Et puis elle a 4 victoires en obstacle, dont le prix U-Master avec Pierre Pelletier au Lyon d'Angers. Une épreuve réputée 88 000 euros de gain. On peut marcher ? La famille de notre père, Mont et Parrain, et Palmier et Gloria 4, dont on a déjà beaucoup parlé, c'est une souche d'Armaillé. Alors ici, sur le ligne numéro 2, nous avons le 132, ce sera le dernier foal de cette section, puisque le 133 est absent. Le 132, donc Valse de Touzaine et Cocorico, encore. Donc un foal de Cocorico dès le 6 mai. On va marcher là ? Bon, fort tardivement, il y a un mois seulement, c'est juste. Enfin, un mois et deux jours. Et Valse de Touzaine, qui est pleine actuellement de Kamsi, quelle bonne idée, c'est le père de Zego. Valse de Touzaine pleine, que grise comme son père. Donc, Alco, c'est la famille de Coquin Mans. Valse de Touzaine, elle a gagné, elle, en obstacle, à Montluçon, mairie. Et elle va conclure la deuxième question. Il en reste deux en première section. On va trotter ? Ouais. Le poulet à l'intérieur ? Oui, le poulet à l'intérieur. Bah, idéalement, il faut le mettre en liberté. Hein. Il va mieux trotter. Allez-y. Collez bien la... Collez la barrière, collez la barrière. Voilà, super. Voilà, collez bien. Merci à vous. Le 132 est en train de finir. Oh là là, c'est un sprint. Là, attendez, que Lisa Lopé est en train de faire 500 grammes sur ce sprint exceptionnel. Au moins. Elle a perdu son 300.